Donc, Monsieur Pouponi, vous êtes président du groupe d'amitié franco-pakistanaise. Donc depuis combien de temps ? Et depuis maintenant 4 ans, depuis le début de cette mandature. D'accord. Et donc vous allez aller en visite officielle au Pakistan ? Tout à fait. Je dirigerai une délégation de députés français qui au mois de février se rendra au Pakistan pour affirmer encore plus que nous le faisons dans le passé l'amitié franco-pakistanaise, pour rapprocher nos deux pays et faire en sorte que ces liens d'amitié se renforcent. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de délégation française au Pakistan. Ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'il n'y a plus de délégation des députés et pratiquement 15 ans qu'il n'y a pas eu de départ officiel d'un ministre. Voilà, donc nous trouvions ça anormal et nous souhaitons retourner au Pakistan, ce que nous faisons, et pour réaffirmer cette amitié. Et comment cela se fait qu'il n'y a pas eu de délégation française pendant aussi longtemps ? Voilà, c'est peut-être les événements qui font ça. Je dois dire que l'ancien ambassadeur et le nouveau ont beaucoup œuvré pour rapprocher nos deux peuples. Nous nous sommes aussi rencontrés, le travail a été fait, et il est tout naturellement venu l'idée de retourner au Pakistan, et donc c'est une bonne chose. Et comment voyez-vous l'avenir des relations franco-pakistanaises ? Plutôt bonne. D'abord parce que les liens se renforcent, et puis parce qu'il y a des intérêts économiques, et il y a en plus une forte communauté pakistanaise ici en France qui rapproche nos deux pays. Et donc moi je pense que les choses vont dans le bon sens, et c'est une très bonne chose, et pour la France, et pour le Pakistan.